Salut tout le monde, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. On a déménagé, donc nouvelle maison, nouveau garage avec un peu plus de place qu'avant. On a gagné 1 mètre, 1 mètre et quelques de longueur et de largeur, donc ça permet de travailler un peu mieux. Update sur la Cuda. Grosso modo, j'ai redémonté les ailes afin de découper les passages de roues. Les passages de roues d'origine en fait frottaient sur le pneu. Donc je vais les élargir, donc remettre une bande ici pour pouvoir élargir. Je vais en profiter pour découper en fait le renfort ici et faire une nouvelle plaque qui sera soudée en fait à l'intérieur. Voilà, ça va venir ici. Après, je recouperai le bas pour faire une ligne propre. Mais grosso modo, donc je vais souder ça en place. La même chose de l'autre côté. Quelques goussets en plus ici aussi pour renforcer l'arrière entre l'arceau et les frame rails. Je ne sais pas si la dernière fois vous aviez vu, j'ai mis la pompe de diff en place. Donc il faut ensuite que je sorte le train arrière pour pouvoir souder des raccords pour connecter donc la pompe de diff, sachant que j'ai un radiateur donc là-bas. Ça c'était les supports de siège que j'avais pour la RS en Europe. Je sais pas si je vais les utiliser sur la Cuda, mais bon, on va voir. Fait un peu de nettoyage ici en prévision de remettre la jupe arrière, recouper tout ça là pour refaire une lèvre. Donc ça viendra normalement, ça vient donc jusque là, avec un retour vers le haut, et la jupe arrière vient souder dessus. Donc je vais refaire ça proprement. Faut que je fasse ça aussi ici, quelques patchs, des trucs comme ça. Du coup, j'ai commencé à nettoyer aussi le contour ici. Je vais souder des petites platines qui me permettront de mettre des rivenotes. Du coup, les vitres en plexi donc seront vissées ici, à cet endroit-là, quoi, grosso modo, juste sur l'arrêt. Donc faut que je soude des platines un peu plus longues qui me permettront de percer et mettre un rivenote. Pareil, deux goussets en plus ici. Je vais avoir. J'ai du tube. Je sais plus où il est. Enfin bref, j'ai un autre tube qui va venir faire la même croix, la même barre diagonale, donc dans l'autre sens. Donc faut que je redémonte les harnais. J'ai sorti les sièges. Je vais vendre les sièges que j'avais parce qu'en fait je suis pas. Sont pas vraiment bon d'une, ils sont pas confortables, ça je le savais, mais en fait ils reviennent pas assez sous les cuisses, donc je suis pas super à l'aise dedans, donc je vais sûrement partir sur autre chose. En attendant, il faudra que je fasse des supports pour les sièges, donc je vais sûrement ce que je vais sûrement faire en fait, c'est venir mettre vu que ça c'est les points d'accroche des sièges d'origine, donc qui sont vachement trop en avant pour moi, parce que du coup ça amène le dossier ici, et moi il faut littéralement que je sois là. Pour être bien avec le pédalier, le volant va reculer et être abaissé. Parce que là, on voit, bon, c'est un peu proche du l'arceau. Donc en fait, idéalement, il faudrait que le volant soit là. Donc je vais partir sur un volant sûrement plus petit et du coup le reculer à un adaptateur qui se monte sur la colonne. Et du coup, reculer le volant d'une bonne 10-15 cm et abaisser la colonne au passage. Donc il faut que. De toute façon, je ressorte la colonne de direction. Je vais ressortir le tableau de bord parce que je suis en train de démonter tout le faisceau pour pouvoir le finir comme il faut. Il faut que je finisse un support ici. J'en ai fait un de l'autre côté, mais il faut que je finisse là pour les jauges. Et du coup, en fait, pour les sièges, donc comme je vais reculer les supports de sièges, je vais faire une platine qui vient se souder ici avec un tube en fait en travers qui viendra soit se reprendre sur l'arceau, soit se reprendre sur le longeron en dessous là. Donc je verrai comment je fais. Et puis après j'aurai deux tubes qui en longitudinal avec les trous pour pouvoir venir visser les rails de siège. Donc il faudra que j'attaque à faire ça. Après j'ai le truc de pour la boîte de vitesse qui vient là. Donc pareil, ça il faut que j'ajuste parce que en vrai c'est pas qualité un peu discutable on va dire. Donc il faut que je déforme un petit peu celui-là pour pouvoir amener ça plus proche, pour pouvoir l'ajuster comme il faut. Normalement ça vient comme ça.
Donc il faut que j'ajuste un petit peu pour pouvoir, pareil, mettre des platines, pour pouvoir mettre des rive notes. Et comme ça, lui, il sera démontable, ce qui me permettra de... Si jamais j'ai du taf à faire sur le mécanisme de commande de boîte ou autre, je peux démonter ça et du coup, j'aurai accès. En parlant de mécanisme de commande de boîte, du coup... je l'ai modifié. Donc la commande de boîte, le butée d'embrayage passe en hydraulique, donc il faut que je fasse réusiner un petit peu le support, parce que là pour l'instant j'ai trop de distance entre ce plan là qui est le plan de montage sur le bell housing, et du coup ce plan là qui est le plan d'appui sur les dents de l'embrayage. Donc du coup en fait il faut que je réduise un petit peu ça, donc j'ai 2 mm à faire usiner. Et du coup j'ai changé aussi la tringlerie de boîte pour passer en rotulé, donc au moins maintenant il n'y a plus de jeu, c'est propre, ça bouge pas. Avant tu pouvais prendre ça et puis ça faisait gling gling gling, et du coup en fait ça me permet de vachement réduire la course au levier de vitesse. C'est avant là on a quoi, on a peut-être 10 cm de course. Avant il y avait un bon peut-être ça de long quasiment, voire plus. Donc c'était clairement pas top. Le levier avait vachement de jeu et compagnie. Il y a toujours un peu de jeu comme ça, mais je vais m'en occuper. Ça, c'est au niveau de l'axe. Donc ça, je vais m'en occuper. Et puis, voilà. Déjà, au moins là, c'est un peu mieux. Donc, il faudra que je remonte la boîte dans la voiture. Ce que je vais faire. Du coup, j'ai démonté tout le faisceau à l'avant. Le boîtier d'allumage aussi, le MSD. Je vais changer la plaque parce que c'était de l'acier trop fin, donc c'était chiant à souder. Je vais la refaire un peu plus proprement, boucher quelques trous et compagnie. Et puis, il va falloir que je ressorte le moteur, donc redébrancher circuit d'huile et d'eau et compagnie. Et je vais ressortir le moteur, ressortir le radiateur, ressortir le moteur. Parce qu'il faut que je fasse donc des nouveaux collecteurs. C'est d'une déjà, comme vous voyez, là, honnêtement, il n'y a quasiment pas de place au niveau de la colonne de direction. Je ne sais pas si ça va se voir comme il faut, mais là, grosso modo, j'ai quasiment aucun jeu. Donc, il faut que je fasse cet échappement-là, en fait, il faut que je le fasse différemment. Et les collecteurs descendent vachement bas aussi. C'est beaucoup trop bas. Sachant que là, grosso modo, je suis en suspension compressée au max, vu que j'ai pas les amortos sur la voiture, je suis en butée. C'est beaucoup trop bas. Celui-là, ça passe encore. Il touche pas. Par contre, l'autre de l'autre côté, il touche. Donc, il faut que je modifie ça. Temporairement, ce que je pourrais faire, c'est juste recouper le tube de l'autre côté et le réincliner différemment, parce qu'on voit que par rapport à celui côté conducteur, en fait, il est pas horizontal. Donc, bon, je vais voir, mais de toute façon, j'avais prévu de refaire des collecteurs inox sur mesure. Donc, pourquoi pas les faire maintenant, quoi. Donc voilà, du coup, le tableau de bord ressort, le faisceau ressort, les sièges sont ressortis vu que je vais les changer. Le moteur va ressortir, la baie moteur va être finie propre. Et après, je passerai sur la carrosserie. Donc, faut que je finisse l'arceau et puis je finisse le faisceau. Et comme ça, après, je peux bosser la carrosserie pendant que je bosse aussi les collecteurs d'échappement. Faire un peu de trucs en même temps. Et après aussi, je veux changer donc les suspensions arrière. Je vais virer les lames de ressort pour passer en combiné fileté. Et du coup, en passant en combiné fileté, en fait, je vais passer avec des bras rotulés pour tenir le train arrière en place. Il existe des kits, mais ils sont un peu tous à chier. Honnêtement, enfin, ils sont à chier. Ils utilisent un design avec une barre panhard, donc qui est en travers du train arrière, qui vient se reprendre sur un longeron. Et le design d'une barre panhard, le problème, c'est que quand la suspension monte ou descend, le train arrière se déplace aussi de gauche à droite. Forcément, la barre est entre deux points, donc elle bouge selon un arc de cercle. Et ce qui fait que quand tes amortos s'écrasent, tes roues grosso modo se décalent latéralement sous la voiture. Alors pour des mecs qui font du dragster, ils en ont absolument rien à foutre. Moi j'aimerais bien prendre des virages avec la voiture, donc ça me casse les pieds.
Donc il y a des kits du coup avec quatre bras qui viennent tenir le train arrière pour que le train arrière se de avant arrière fasse pas ça. Pour quand il monte, en fait, il monte selon un arc prédéfini. Et tout, c'est à chaque fois, ceux-là, ils ne positionnent pas latéralement le train arrière. Donc, c'est pour ça qu'ils mettent une barre pan arc. Moi, je ne veux pas de ça. Donc, ce que j'ai regardé, c'est faire comme sur les Lotus Cortina, en fait, à l'époque. Ils avaient ce qu'ils appellent un design en Y, où, en fait, il y a deux points d'accroche sous le châssis et un point d'accroche central sous le train arrière. Ce qui fait que, du coup, vu que ça triangle, littéralement, donc ça permet d'éviter que le train en fait bouge latéralement. Donc je vais sûrement faire un truc comme ça. Il y a quelques boîtes américaines, notamment Harbinger qui a fait ça sur une Mustang, sur la Agent 47, où ils ont fait un truc comme ça, mais dans l'autre sens en fait. Donc ils ont mis un point d'accroche à l'avant et deux points sur le train arrière. Ce qui fait que comme tu es rotulé à l'avant, ton triangle il peut quand même bouger latéralement. Donc ça résout pas le problème de localisation latérale du train arrière. Donc moi je vais faire comme sur les Cortina, et du coup vu que personne fait ça, faut que je fasse en partant de zéro. Donc j'ai un peu de mesures à prendre et je vais sûrement modéliser le truc avant de le construire. S'il faut que je fasse des platines qui vont se souder sous le châssis pour renforcer les points d'accroche sur le châssis, et après que je fasse aussi des platines qui se soudent sous le train arrière, sur le pont, pour pouvoir accrocher le point central sous le pont. Donc voilà, un peu de travail. Voilà les grosses updates sur la Cuda. Je vais aussi, donc comme vous pouvez voir, j'ai marqué un peu partout tous les problèmes de carrosserie. Donc je vais petit à petit travailler sur ça. Il faut que je finisse de souder là, mais il faut que je vire en fait tout le plomb qui a été fondu ici pour pouvoir refaire un morceau de tôle bien propre. Pareil de l'autre côté. Pareil ici, là il y a quasiment plus de métal, donc il faut que je refasse un coin propre, il y a plein de trucs comme ça, il faut que je finisse de souder le toit que j'ai soudé pour l'instant ici et de l'autre côté, et qu'il faut que je finisse de souder au niveau des montants et tout. Donc voilà, plein de taf un peu partout, mais grosso modo voilà l'update sur la Cuda, elle est encore plus large qu'avant, les ailes vont être élargies, elle est encore plus basse qu'avant, et elle va être encore plus énervée qu'avant. Donc, vu le taf, on ne la conduira pas cette année. On aura peut-être de la chance si on arrive à la conduire cette année. Mais en tout cas, déjà, de toute façon, elle ne sera pas peinte. Mais bon, voilà, je préfère prendre mon temps et faire les choses comme il faut, plutôt qu'y revenir plus tard. Voilà, ouais, les grosses updates, c'est ça. Après, il y a plein de petits trucs à droite, à gauche, mais bon. Voilà, à plus.